des simples avec toujours avantage. C'est à Mazembe de prendre des dispositions nécessaires pour se maintenir que je joue face à une bonne équipe ou facilement je répondre à ma critère. Sur le plan pourcentage, je donne 55% pour Tarek Le Moutin Pembe et puis 45% pour l'équipe O et à tout ça, Mazembe, les Crocodiles et à Bumba. 55% pour le Tarek Le Moutin Pembe, 45% pour le tout puissant Mazembe, les Crocodiles. Ils allaient pour sa tâche, il y a l'ambé Mambassa, Mona Bundes, TTC de ça. Rencontre, ils allaient lobby pour la phase retour, il y a championnat local, ils allaient organiser une tente urbaine de football de Bumba, ils allaient chapeauter dans Mona Mboka, Jean-René Namadala Otundu, Darin Club Monté Mampembe, à cause de la face, il y a tout puissant Mazembe le Crocodile. Lobby dimanche, ils allaient initier les rencontres à partir, il y a 15h, au niveau du stade Père Carlos. Comment vous trouvez déjà la rencontre voilà, entre Darin Club Monté Mampembe, tout puissant Mazembe le Crocodile? Voilà, merci beaucoup à San Mokema. Ils allaient une rencontre au Togolanda avec beaucoup d'attention et intérêt. Et surtout, quand ils allaient une phase retour, où ils allaient vraiment une phase un peu décisive pour les différents clubs où ils allaient engager au niveau de l'entente urbaine à football et à club à Mabélé à Bumba. Mais pour la rencontre, voilà, je vois déjà match où ils allaient une opportunité. Ma casse, quand ils déjà, parce que la classement de Topessa qui est la Bandeko, le football club et Salo, ils allaient en tête avec 2 points. Il y a différence avec son 42 rival. Contre 40. Voilà. 40, on a Darin Club Moté Mapembe. Tout le monde a déjà à chaque rencontre et vous avez une opportunité pour on a topé cet exemple, on a différents clubs en fait à Koulouka pour embaucher les 3 points ou et qui peut espérer vraiment couper sa banque un peu des différences à niveau il y a classement ou et vous avez vraiment et vous avez la rencontre vraiment déterminée tout puissamment de son côté également à Zali un peu à déterminer pour on a les bons résultats pour ça là parce qu'à ce moment-là dans niveau tout le bas niveau il y a classement 11e disposition. Ou peut-être des pékaïs qui sont gâtés, mais tout le temps là, on a raconté qu'on est qu'on s'en a bien. Mais ce que moi je vois, bien sûr, tout le monde a compétition, Lambert Mambassa, Hassan Moukema, Ngaï Koulouba, mais il faut tout d'abord, qu'on a là, la situation actuelle qui traverse nos clubs. Hassan, ni l'ignore, parce que moi personnellement, hier j'avais laissé des testeurs à Bandeboa lui, pourquoi ils ont l'objet d'avoir club et belé au détriment, il y a organisateur. Togoyi Koloba, les deux marchent, hein, Toloba, on perd. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de l'entité sans les clubs engagés. C'est ça. C'est-à-dire, il faut parler tout d'abord de l'importance de ma club. Parce que, bon, on est pas constitué au Tobengi Attente. Parce qu'imaginez, s'il n'y a pas de club, il n'y aura plus même l'importance de Roloubé Attente. Mais nos clubs souffrent actuellement. Passez un moment où place Bandeko Bazo, ça là-bas, entraînement là-bas, à Sani Mokema. Vous allez voir, une équipe, ils ont constitué 10 ballons. Équipe Bazo Zalana 3 ballons. Est-ce que combien de touches chaque joueur a pour réaliser? Bah club Bazo souffrir. Toké nao est allé bon au plan côté matériel. Il y a didactique Toké ko le matériel entraînement. Bah club Bazo souffrir. Mais actuellement, tous les qui n'attaché de presse lobby à Megaï ko établir hein, les conditions établies pour nao est allé bon au participation à bah club aucun hein, aucun club a Zalana dette, mais on nous apprend il y a des clubs au Bahana bah 1 million de francs congolais, bah 700 000, bah 200 000, bah 300 000. Mais avec quel miracle ces clubs là bah ko ça là autonomie bon participation là bah. On sait que moi je vois et vous allez compétition encore aussi déterminée et c'est aussi et vous passez opportunité na auto bengi pour moi il y a comme moté ma stratégie à ce cas parce que l'objet mega comme ça la étude douana il y a quoi bah tout oui comme ça la ni tout la phase retour la biso et ça la rappeler mais pendant là je vois déjà naza un peu tout le bas optimiste il y a comme c'est peut-être été compétition la biso et ça la vraiment na haut niveau parce que tant que club a vos opportunités à Kobima et ça la fait moi le bosser mais pour la rencontre à lobby donc ça la va depuis ma pande sango au tala comment les derniers clubs monter ma pembe à beaucoup de bon on a tout puissant Mazembe aussi un appel biso ma chroniqueur sportif biso ma journaliste sportif donc qui qu'on lance appel la meilleure façon pour la biso au coquille beaucoup de tana au cabela joueur mais façon à malabou il y a au cabela équipe nayo il suffit à quoi accompagner équipe na niveau à terrain il suffit seulement à consomba un billet. Il y a 500 francs congolais. C'est la manière à contribuer pour la collègue équipe de Darin Club Moté Mapembe. Sauf que l'ingatou pour Samazembe, il y a qu'à somba billet na yo, 400 à 500 francs pour la soutenir. Et aussi une autre chose, ton collègue Koloba, arbitre, Bozala Kibongo, l'un parmi les agents Oyo, il y a qu'à déstabiliser le football dans ma belle Abouma. Pour qu'on appelle l'arbitre, la conscience professionnelle. Il y a qu'à la moussala avec la norme établie. Enfin, parce que Toloba, arbitre, il y a une équipe qui a commis ça. Mais il ne faut pas, il y a qu'à la question de la carte à terrain, vraiment, l'arbitre,
basse conscience wana ya ko aider football. Le temps toujours de la régression au football, c'est aussi les arbitres sont à la base na ou étali bonne régression ya football na biso. Jurgi moi quelques heures awa déjà tout à moins un parce que à tout à l'heure. Jurgi moins un. Moins un. Tu stade Père Carlos pour na kota la comment la phase auto bien bon phase retour et besoin. Enfin ma bonne chance na ba club nous sommes allés engagés et surtout tout ceux qui na bonga base la détermination pour na aider. Une question que je viens de poser tout à l'heure à la même ambassade. José de sa tête, c'est ce que vous allez, le président en tant que de football de Bomba. Ma clé, vous allez dans ma tête et bien. Pour Nayo, au coquille, qu'on tenait qu'à la rigueur, qu'on ait dit que ça va être un peu, ou bien qu'on ait la maison de Clémence pour favoriser le football. Voilà. Ce qui est le président, il y a attente. Mais c'est la Clémence, c'est coquille, qu'on ait dit, coquille, qu'on ait dit. Parce que réellement, ce qui est le but, c'est qu'on a sur le plan apport, il y a un manque de oyo, et il y a un niveau d'attente. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. À part parfois les 5000 euros de foot, un arbitre par match. Naibite msus contribution to koyiko mona parce que to koyiko le ba parce que koloba ba équipement ba arbitre to message na ce sont des hommes politiques ba yaka ko sala ba don mais à part ça koloba yake mbongo ba mande belé kotaka to à part kokota na ba poche ba to mona ka puis na mote vous pouvez imaginer te peut-être oui ko s'attendre na phase retour ba niveau ba poto ba tsaka na niveau ba ko ya stade to ba drapelé wana to koyiko mona ke koyiko za changer peut-être koyiko za la kata moi le président a koyiko za toujours mesure à Clémence pour na ko aider parce que de tous ces amendes là sur le plan concret réalisation faut que vous soyez visible tout le monde a quand même pour n'a à quoi qu'il pardonner ma club en fait et à quoi t'amener au tout bien bon face retour là-bas n'a joie qui est là comme encore il m'a encore circulé c'est parce que n'a voyant n'a encore tout n'a encore si mon amour sous oyo ma pessi barbitre qui est ce qui a pessi 3 cartons jaunes à l'an en bon $15 pour n'a 30 000 francs il y a mon est poussé que l'arbitre central va la couper sa carton jaune et bien est-ce que ce qui est allé pour n'ayant oui qu'on tolérer lorsqu'on a que Batelli va nous gagner ce qui a fait si trois cartons jaunes à la bonus il y a $15 bon peut-être que vous avez la façon à motiver bango mais il faut tout le bas total là aussi tout bien un conflit entre les arbitres et les joueurs parce que bien sûr toi bas pendant ça peut-être que vous avez autant à combattre les joueurs dans vos têtes et ça l'arbitre mususu a zolo bas yo matao qui t'a n'ouvert son carton jaune. Peut-être que nous avons un règlement, un conflit. Arbitre a dit que c'est un poli, un mato qui t'a mis à la pression. Comment est-ce que l'opération retourne à l'opération? Quand on a un match, on a $30 dans la poche. Peut-être que nous avons un match qui est solo, ils ont fait ça pour décourager en haut, ils ont fait ça pour que le club passe. Imaginez, trois cartons jaunes, on a $30. Avec 30 000 francs. Avec quel moyen, y compris le mandat de Messina, on a $75. Ils ont toujours une homologation, ils ont raté. Le club est en route. Vraiment, il faut mettre ça en place à le club au moment où on a tu vas y avoir match et à la fin du compte au goyo kabaho le bas match public et quota quitté et ça va match tout bien en déficitaire résultat zalité peut-être pour n'anga ce qui conditionne à $15 que motoazui carton trois cartons jaunes à raconter l'arbitre à la police à 30 000 francs congolais pour n'anga et ça les façon à décourager parce que ma club baso souffrir. Merci José de sa tête, c'est Isaac Kewawina, chroniqueur sportif, il y a Radio Liberté, il y a animateur, il y a émission Rally Sport, et puis Jeudi Sport, autres dans la canaille. Isaac Kewawina, Katia Studio, bonjour et bon week-end. Merci vraiment Hassan Mokima, merci également à nos abonnés, aux Bazarabis aussi YouTube, la chaîne Nabamou Isaac Kewawina officielle. Merci également à nos amoureuses de l'émission RRP Sport. Denis Saté. Tiens, tu contrôles, week-end à moi, bandit bien. Ça marche bien. Sauf que n'a attendu le déjeuner. 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 Je pense qu'après l'émission, Baline l'aura déjà. Merci beaucoup, Isaac. Wawina, directement, Tozanayo. Isaac, rencontre, les allées lobby, coup d'envoi, il y a phase retour, il y a championnat local, les allées organisées dans tente urbaine de football de Bumba. Rencontre, une seule rencontre, Dari Club Monté Mampembe, Akoya Mbabongo, équipe Oyo. Il y a tout puissant Mazembe, le Crocodile, il y a le président Alphonse Boufaka. Lobby, une seule rencontre, à partir il y a 15h. Comment déjà vous trouvez rencontre Oyo, Dari Club Monté Mampembe? Tout puissant Mazembe, le Crocodile, à partir à 15h, pour la côte, il y a phase retour, il y a championnat local organisé dans la tente urbaine de football de Bumba. Tel qu'il est déclaré dans l'article premier, il y a organisation, il y a championnat local, il y a tente urbaine, il y a football de Bumba. Et championnat, on est en aller et puis retour. Et je pense que c'est dimanche déjà. Ceux qui m'ont demandé de salamiter parce qu'il faut mettre sauf un prévu. Coup d'envoi et pour ça, la meilleure phase et tout. Comme au lobby, il y a un match, il y a Darek Lemote Mapembe, devant tout puissant Mazembe, les Crocodiles. Je pense que c'est un match pas facile. Et un match très kitoko parce que tu as une qualité et puis performance. Il y a Darek Lemote Mapembe, c'est une ancienne équipe. Elle est aussi grande. Azali parmi les champions à l'Équateur. Et je pense que des 5 pays, devant tout puissant Mazembe, c'est un match moko à Masegite. Et j'ai bien dit qu'ils ont ma case. Ce qui est Kobe Tama, parce que tu es une équipe, cette fois-ci. Ce qui est Kobe Tama, pourquoi Isaac? Nazan d'abord, c'est
par rapport à ma maison le cana football local na biso je pense que oyebi ma maison le cana ma équipe ibiliza na nyongo équipe ou azana nyongo ya mukien je pense qu'il y a aux $200 ou soit ba 200,000 mais équipe ou azana nyongo exception zali manga sport azana nyongo équipe azana nyongo mukien bon manga sport zo beta lobite match a lobe zali des simple devant ma zemi ko vous dire ce qui obeta ma et surtout ceux qui attendent à mettre en pratique Malobana et qui équipe avec Beta Championnat il faut aussi Sabanyongo je pense que match à l'ouest n'a limité ce qui est Robeta mais ce qui est Robeta au match musclé vu la prestation la dernière prestation à Mazembe Likokodi c'est une équipe où cette fois-ci ils ont quand même un soutien et outil quelque part et ils sont vraiment en forme parce que Mazembe a entamé la phase allée avec des difficultés aux hommes à gazon mais quand ils s'en sortent ils toujours battu devant l'équipe Ebélé et cette fois-ci avec les moyens ou soit moi va soutenir aux hommes ces derniers temps et Mazembe a en forme et je pense que devant avec les motés Mapembe aux match encore difficile les DCMP va gagner ce match vu l'expérience vu aussi la durée d'une équipe et voilà où est comme ils vont réussir dans le championnat à l'ouvrir pourquoi le match si vous attachez déjà au terme vous attachez 54% avec les montées Mapembe puis 46% tout ça Mazembe les copains. Alors Isaac Wawi na la même question là tout na de sa TTC il y a rumeur aux autres circulaires que na niveau attente Bauti Kotia arbitre à central ce qui a payé 3 cartons jaunes na match moko alors na bonus il y a $15 équivaut à 30,000 francs. Est-ce que Okoki ko soutenir hypothèse on a ce qu'ils allaient à sol d'abord moi je m'attelle pas na ba rumeur. Pour moi, ça fait partie aussi d'une information. Bon, en fait, ça va spéculation. Pour moi, ça n'a pas été le moment. Parce que c'est une rumeur. Et tout cela. Et ceux qui te montrent une lettre ou soit te remis une information officielle, c'est par là que je vais m'atteler. Ou on est allé perdre à temps pour moi. Dans ça, ils ont monté à ça. Merci beaucoup, le collègue. Après la face, il y a tout puissant au raga. Ou on est allé me raconter. Ou écoute, tu as mal les mercredi. Ma compte, il y a phase retour dans le lobby. OCM, face à Murumba à partir de 13h. Le collé face à tout puissant Ouraga à partir à 15h. On est allé raconter où vous allez raconter à phase retour. La même ambassade, comment vous trouvez raconter avant que tout tangue la bande de homologation, il y a Mama Thierry ou Beta Maki dans le niveau et à stade Père Carlos et puis calendrier pour tout le monde. Oui, quand on a ma fiche, vous avez toujours programmé au niveau et à phase retour et à championnat local. On voit OSEM face à Murumba. OSEM, c'est une bonne équipe. Équipe à révélation, j'ai pu. Les formations à battre. Équipe à Murumba, la phase allée. Oui, attaquer équipe à Murumba en difficulté sur tous les plans, sur le plan tactique, technique, même mental. Azala qui est une forte équipe, où a réussi à combattre facilement. Équipe où il y a Murumba a continué à passer une victorieuse. Après l'arrivée, il a fait ça pour 4 vraiment couper à Ribona ces derniers temps. Tout le monde qui, équipe à Murumba, perdu qui vraiment sa forme jusqu'à présent. Parce qu'on continue toujours à perdre la forme, malgré les multiples. Dimension où il y a des travaux, ils ont équipe en eux-mêmes, mais ils sont toujours en souffrance. Et OSEM, c'est une équipe à révélation, comme j'avais dit aujourd'hui, où Azali a à 4 heures, où Azali a plus expérimenté, surtout on peut dire, Azali a traîné sur le plan tactique mental, Azali a mis conformé aux joueurs. Autant la même équipe, les joueurs sont en souffrance sur tous les plans, mais tant d'ailleurs, ils ont envers à traîner, on a un moyen pour relever, comment ça, surtout en dimension et en travail. Et à ce le collé, Murumba, Ouraga, tout le monde qui est en phase d'aller, parce qu'il y a un score qui a arrêté à l'époque. Oh, bien, il y a un bien qui est moulé. Il y a un moulé qui a ramené les deux équipes dans la formation qui était Pelouse. Il y a Stade et Père Carlos. Il y a un score qui a arrêté. Il y a un but partout. Cette fois-ci, vu prestation en toile, efficience ces derniers temps, l'équipe est à Ouragan. Alors qu'il y a moyen à relever toujours des filles pour s'imposer dans la phase de retour devant l'équipe où il y a Asilo Kole. Et du côté Asilo Kole, quand même, on peut donner des félicitations surtout à Barça Legia. Depuis son arrivée, dans la tête de l'équipe, il y a Asilo Kole. Alors qu'il y a quand même a causé sa espoir, surtout à causé sa osatique confiance. Et ma fanatique, comment il est décis, comment on a Asilo Kole, donneur de points, le début à Chapinet, à phase d'aller. Mais cette fois-ci, la phase de retour, je crois que Asilo Kole, a co-espéré. Vous allez pourquoi pas dans le top 5 et à championnat local et à Bisso et vous avez des bonnes choses. Mais je demande au président, surtout aux 9 membres, dans le cadre de l'équipe, à Salma Kima, parle comment il y a doté par traîneur, par équipement. Nous entraîner des moments hors de difficultés énormes, il y a qu'on exercer leur métier comme il se doit, via impossibilité avec l'équipement. Aujourd'hui, on est entraîneur, on a 4 ballons dans 6 entraînements, mais on a une obligation, on a un joueur, 23, 24 joueurs. Mais chaque joueur a une obligation de toucher le ballon. Mais ça n'a pas été. Tout le monde équipement pour le team. Tout le monde dit, ah ouais, il y a équipe qui a un entraînement à 13h, a une obligation de tirer là. Équipe qui a un entraînement à 15h pour le team. Mais ce n'est pas autorisé dans le football. Ce n'est pas autorisé. Un joueur peut avoir le team propre.
Akoko tele kolle aboti mosusu te. Soda ko bunda mondo kite sino. Voilà maintenant. Soda bunda bien la même. Bon mona. Joueur azaka na ba équipement na propre. Malgré na bumba tozana ba difficulté témoin énorme, mais au fur et à mesure tout le camoya a commencé à s'adapter. Joueur akoki jamais posséder boti nae. Na moto mosusu parce que ayi ndenge na été. Ayi ndenge na été. Ils ont tout mon casse. Mais côté la phase de retour au Soki Bandi, ils allaient ba affiche mon corps et puis à qui toque ma casse. Ceux qui ont les deux équipes battent sérieusement. Parce que Mourumba a orienté ce soir perdre la phase de retour face à OSM. OSM a perdu, on a toujours continué pour Zala, na Osati et à Mourumba. Ils allaient affiche mon corps et puis à qui toque. À ce local, à quoi cette fois-ci, pour battre Ouraga, à espérer, pour prendre trois points. Pourquoi pas Ouraga peut battre aussi dans Ouraga aussi a un objectif tellement ébellé. Mais il y a quand même des souffrances du côté à Ouraga. Il y a toujours moyen de relever. Ouraga, au hasard, ces derniers temps, il y a carasse, ma casse sur tous les plats. Sur les plats matériels, surtout là, on ne parlait même pas. On a même du côté à classement à phase d'aller. Il se positionne en 8e position. 8e position. Ah, sur le collet, c'est. 5e position. 5e position. Quand même, la différence, c'est Zali. Quand même, la différence, c'est Zali. 5e, il joue face à 8e. Il va se faire beaucoup d'attention, tout le monde, même dans le niveau, les gars d'Espagne. Au moins, 8e, mais à l'heure de la performance, c'est encore importante par rapport à 5e. Et vous avez des bonnes choses. C'est à Mourumba, c'est à sur le collet, c'est à OCM pour prendre des précautions, mais pour prendre des erreurs, il y a des rencontres, il y a des matchs aller et pour permettre aux Angolais de créer encore une nouvelle figure dans la phase de retour et vous allez avoir une bonne chose. Merci Lambert Mambassa, José de sa TTC à Oundou, raconte le collet, à cause de la bongo face et à tout puissant pour la gare. Comment déjà tu trouves ma rencontre au bien que tu le matos avec les titres de ceux qui va rencontrer et vous bêtement, mais. Ce qui est masse au matin, vous madame, vous racontez Bétami. Quelle analyse au bruit pour ça, la peau, vous racontez Bétami le mercredi, José de sa TTC. Le mercredi, ce qui est masse au matin, vous madame, vous avez dit que nous osons croire parce que Nabi Nazali est optimiste pour la reprise et la phase aller et la phase retour. Mangasco, face à Bandekounabiso, il y a. Bossem, face à Mourumba. Yamourumba, face à Yamourumba, j'allais dire. Et Zali match, on va l'avoir avec beaucoup d'attention. Bien sûr, parce que déjà, tout ça, l'actualité, la rumeur, ils ont circulé, il y a la transfert, il y a différents joueurs. Il y a Zali dans l'obligation de débarquer. Au niveau de Bossem, pour la région de Bongo, le football club de Salou, c'est aussi une grande perte pour l'équipe Wana, il y a Bossem. Mais à côté, le football club de Mourumba, Azali vraiment. Tolo va garder toujours au sentir là et où la bande qui est dans la phase aller. Ouais, puis il y a un match beaucoup décisif. Mais pour la fin, on a déjà départ. Il y a le 5 joueurs ou peut-être prochainement même le lundi. Tu vois, autant qu'il y a un combo pour la raison, il y a un combat qui aussi la source pour tout ça dans l'information. Même le lundi, tu vois, autant qu'il y a un combat les 5 joueurs ou au sein pour la région dans le football club de Salon. Si ces 5 joueurs-là, à San, Sali, départ na bango pour la région de Salon vraiment équipe wana ya Osem a ko perdre un peu tolo ba au sentir ou ezala ki nango également arriver même au bazolo bela na équipe wana moi je ne vois pas que koki ko zala équipe tolo ba arriver oyo équipe ko ekotika la mais quand on a équipe ko to ben ya Osem face à Mourumba je vois déjà le football club Mourumba ou déjà dans un peu favorite na wa etali bongo comment prestationner ezala ki parce que vous pouvez imaginer actuellement ezala ki na top 3 au tobi ko lo ba ya classement parce que ezala ki un bon moment seulement toloba la défaite face à équipe ko to ben bongo ya football club de Salongo et me kaki ko déstabiliser mais 5 mois aussi je demanderai na équipe oyo ya football club Mourumba vraiment essayer ko zala na ba autre ben ba psychologue pour aider ma joueur. Parce que vous pouvez imaginer un club, le football club de Mourumba, San Mokema, où il y a une très bonne saison, suite seulement à des défaites et déstabiliser automatiquement l'équipe Otobengimo et le football club. Il a dit là, il m'a dit, il y a des entraîneurs qui ont limogé, mais suite, il y a un psychologue qui va maîtriser l'équipe. Imaginez, une équipe où il y a vraiment 15 rencontres, a seulement 2 défaites et déstabilisé au niveau de classement, il va perdre la morale. Et c'est que moi je pense, les dirigeants, tu peux comité et l'équipe où il y a un football club de Mourumba, il y a un fan autour d'une étape et pour étudier comment pour aborder phase retour où il y a un fan. Au sein, face à Mourumba le mercredi, je vois une rencontre vraiment et vous allez être déterminé de part et d'autre. Autant la performance, il y a l'équipe à Mourumba. Et si seulement les 5 joueurs au combo dans l'autre lobby, autant à moi-même les lundi, parce que déjà, Nazana va donner complète par rapport au transfert. Voilà, les 5 joueurs au Bazotika au sein. Parce que déjà, l'être déjà, ils ont là qui est introduite dans le niveau de l'équipe OSM. Ils ont la réponse, il y a des OSM. Sauf que 5 joueurs, voilà, bah, ça, le déplacement, bah, on a un niveau de Salongo. Et qu'on a là une grande perte pour l'équipe OSM devant l'équipe de football club Mourumba. Vraiment, l'OSM ne résistera pas
pour nous faire la formation exploit devant le football club de Murumba. Mais attendons le jour, le mercredi, au SEM, où nous allons face à football club de Murumba. Merci José de sa TTC. 13h au SEM face à Murumba. 15h, Association sportive locale, tout puissant ouragan. Des grandes affiches aux Alli le mercredi 22 février 2023. Isaac Iwawina, comment vous trouvez déjà la rencontre où ils ont s'annoncé riche en couleurs? Oui, je pense que ils allaient déjà dans les cadres, il y a phase de retour, il y a championnat. Je pense qu'ils allaient payer une découverte pour la équipe telle que l'Olympique Club de la Mongala, OSEM, Otobeng Ayango. Souvent, depuis qu'on a un niveau en tête, on a souvent pour participer à la play-off parce qu'à l'époque, là, en tant que Tazaki, on a des difficultés à organiser la phase de retour et à championnat. Alors, cette fois-ci, vous avez une découverte pour cette équipe, mais je pense que vous avez pas mal de facile parce que dans la phase d'aller, où c'est Mazaki tombé, il y a tout, il y a FC Murumba. Et je sais que ceux qui peuvent Murumba entamer cette phase, dans la même aller, où Azaki n'a pas la phase de retour, dans la phase d'aller, vous avez toujours la même chose parce que l'Olympique Club de la Mongala, c'est une équipe. Oyo a plenara chaque jour. C'est une équipe où a modernisé à Makamunaï, a modernisé le système de jeu. Vous comprenez que OSEM où il y a un match, le lobby devant FC Salongo, lobby devant Daryl Clermont va mettre toujours au monde qui est un ajout. Pourquoi? Parce que c'est une équipe entraînée aussi par un gras. Ceux qui transfèrent salamité, ceux qui changent mes alités du côté OSEM, c'est une équipe où on a phase retour à Osala va bon temps. Et surtout, des gens, je vois un léger avantage devant FC Murumba dans le match retour. Mm-hmm. Parce que c'est une équipe vraiment OSEM. Dans le Belarabandeko, l'équipe tant que Bimara na Bumba awa, ezara na osati ya OSMT. Je pense que à l'époque tant que Raga déjà Bimaki, azo ki ba baptême deva ba Daryl Clermont ma pembe. Mais OSM deva ba équipe, ozo sati ki azo se tenir deva Daryl Clermont ma pembe, tomber ba FC Murumba, c'est pas une mince affaire, c'est une équipe dans l'avenir, azala na ba équipe champion, voire même il y a Équateur et puis il y a Kenya au représenter Bumba au niveau il y a la Coupe du Congo. Mais en phase retour, OSM doit mettre toujours Mamboné en match. Ce qui n'a se rappelé bien, c'est une équipe qui en souffre sur le plan mental, sur le plan psychologique, parce que bah Kataki et point. Je pense qu'il y avait eu trois matchs où bah perdait qui a aussi le plan administratif. Alors comme c'est le match retour, le comité de cette équipe basera toujours aux aguets, basera très vigilant pour nous commander qu'on mette sur terrain, qu'on mette en place administration, parce que les matchs se jouent dans le terrain tout comme dans le bureau. Et aux aguets, une très bonne chose. Autre match. Il y a mercredi, vraiment, toujours des langues avec. Association sportive, on est face à tout puissant. On est tout puissant, on a gagné un match pas facile parce que tout le monde qui est en phase d'aller, il va penser qu'il y a un rapport vraiment folle. Tout le monde qui est FC, AS Lokoli, qui commettre bien à ESETA. Et devant tout puissant ouragan, et tout puissant ouragan, ceux qui sont malattendus, soit maladresse, c'est ça qui est du côté attaque. Oui, Molika doit toujours beaucoup apprendre et au niveau de la cage, pour étudier comment tirer, dans la position ni pour tirer, parce qu'à Beta qui va tirer moins en sens, le match n'a pas allé. Alors, phase retour, il faut que nous camoyons, sauf que malheureusement, nous n'avons pas le match, soit la vidéo, ils allaient enregistrer, ils allaient qui est le match aller. Va mettre en même na local au qui l'attaquant na combo ya Molika amega ko prendre amega ko total ba erreur na ya sala ki yango parce que ce qui a là qui un bon attaquant comme Rodrigo du côté à Real Madrid il allait déjà mettre en KO AS Lokoli. Mais match retour je pense qu'il n'a départagé ba moi avec 50-50 et que les meilleurs gagnent avec cette rencontre. Merci. Étape na niveau ya football même en Europe même partout d'ailleurs tout le monde a mercato et ça la parce que mercato est allé. Oui, puis c'est vrai que c'est ce qui n'a mis. Est-ce que c'est Salem? C'est pour aujourd'hui. Donc, là. Aujourd'hui, la minute, c'est Salem. Mini. Bien sûr, le transfert est Salem. Alors, aussi, la minute, peut-être, va faire trois transferts au Salem. C'est la officialisation information parce que biso auto ko inventer ba information té tout et sabino qui moto qui bou or c'est pas ça alors biso tout ça me biso comme il faut lobby de tout ça qui on direct na Rambo Sport et pas wa pi de Okanda après ça qui biso qui bazali des joueurs et alayé na Neymar et Sugola au bazon ka moye ba kende na niveau ya OSM alors toujours c'est la officialisation parce que na biso tout visé tout ces informations la source équipe tant on a annoncé té un communiqué officiel les a annoncé té biso de royal tout bisabino qui de Okanda qui est au sein, Asan Mokimazongi dans Rally, ainsi de suite. Voilà, tout c'est la officialisation d'information. Mais je pense que les maires déjà sont là, comme on a senti la rana à monter, et je fais tout c'est la officialisation d'information pour nous informer.